grosse ovation pour eux parce que vraiment ça les réconforte. Parce que sans eux, il n'y a rien. Ça y est, je sors le mouchoir. Bon, ensuite, je vais dédier une partie de la fête, une partie simplement. Je vais la dédier à mes copains, mes amis, qui ont sauvé leur entreprise l'année dernière. Ils étaient en lutte, je ne sais pas ceux qui étaient l'année dernière. Ils se battaient depuis 2 ans pour réouvrir une entreprise qui allait peut-être fermer. Et puis ils ont gagné! Alors ça, c'est du bonheur dans une période difficile. Alors, bravo à eux. Ensuite, alors là, je veux que vous fassiez une ovation exceptionnelle à quelqu'un qui malheureusement n'est pas là tout de suite, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure. Ça va, je suis assez long pour le trou. On m'a dit qu'il fallait faire le trou, tu vois. Ils sont bons, les techniciens. Alors, du coup, je disais, il y a quelqu'un qui représente beaucoup pour moi et pour d'autres personnes à l'ISEN. Et je vous le disais, il va nous rejoindre tout à l'heure parce qu'il est à un autre endroit en ce moment. Bah oui, s'il est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Il y a des fois, je suis un peu con hein, quand même. Hein. Donc, je voulais juste que vous fassiez l'ovation à cette personne qui œuvre depuis des années pour notre village et qui, sans lui non plus, sans son soutien humain, sans son soutien financier, parce qu'il faut en parler, il faut des sous pour organiser une fête comme ça, il nous donne une grosse subvention pour nous aider, son équipe municipale aussi, mais s'il n'y avait pas quelqu'un, je vais vous dire un moteur, c'est comme la voiture, il faut de l'huile. Voilà. Puis il faut une locomotive, alors je ne rabaisse pas les autres, mais il y a tous les autres.